Aujourd'hui, l'Urbaine Paris vous présente Guide in Paris. Bonjour, alors je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Moi c'est Chahine, j'ai 34 ans, je suis cofondateur de Guide in Paris depuis un an. Voilà. Et Thomas, 33 ans, presque 34 aussi, cofondateur de Guide in Paris depuis presque un an aussi. Alors dites-nous ce qui vous a amené à la mode et pourquoi la mode japonaise. Alors ce qui nous a amené à la mode, c'est déjà une passion commune qu'on a. On a toujours aimé se saper pour différentes raisons. Chahine, ça a été le goût de la sape à travers la danse, beaucoup. Mm-hmm. Et sans un bon look, c'est pas la même chose. On ne présente pas de la même manière quand on rentre sur la piste. Exactement. De mon côté, j'ai toujours aimé jouer avec les vêtements aussi, depuis que je suis petit. Et la passion pour la mode japonaise est arrivée petit à petit. Comment vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a poussé à créer Gaijin Paris ensemble ? Thomas et moi, on se connaît depuis qu'on a 15 ans. Donc ça fait 20 ans bientôt. C'est mon meilleur ami. On a une passion commune qui est la mode et on a toujours eu l'envie de créer un concept store ensemble. Donc on avait plusieurs idées. Et après un voyage au Japon en 2015, on a vu un magasin qui nous a vraiment marqué. Et là, on s'est dit que l'idée du concept store, on l'avait et qu'il fallait amener ça en France. La façon de voir les vêtements, la façon de les présenter, les sélectionner, tout ça, il fallait qu'on amène ça ici parce que c'est plutôt des friperies qu'il y a ici. Nous, c'est pas ça du tout qu'on voulait faire et ça nous a vraiment marqué. Quand nous, on avait l'habitude d'aller dans le marais et de chiner dans des endroits improbables et de passer 2 heures pour trouver une chemise. Et là, c'était totalement différent. Et ouais, ça a été une révélation en fait parce que c'est la manière d'approcher le vêtement avec une forme de respect très profond. Et puis au Japon, ils appellent ça des select shops, les magasins qui présentent différentes marques ou alors qui font du vintage. Il y a vraiment un choix d'un point de vue stylistique. On avait envie d'apporter cette sélection de vêtements tous particuliers pour une raison ou pour une autre, pour des coupes, pour des matériaux, pour des volumes, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que ça c'était en 2015, on avait cette avis-là, mais qu'en 2019, ça commence à changer. On commence à avoir des magasins vintage très intéressants à Paris aussi. Et puis on commence à se faire des amis dans ce réseau de vintage avec une vraie sélection. Et est-ce que vous pourrez un peu me parler du concept de Gaijin Paris et en quoi il se démarquerait du coup de ce qui se propose en ce moment à Paris ? Nous, notre corps de métier, c'est de faire de la mode japonaise. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment sur Paris. On va trouver quelques marques japonaises sur Paris, mais généralement déjà c'est des marques de luxe que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre. Effectivement, Uniqlo et Muji finalement c'est un peu du commercial très mondialisé, on va dire. Il n'y a pas vraiment cet aspect très japonisant dans leur travail. Et nous, c'est ça qu'on veut amener finalement. C'est amener vraiment cet esprit de la mode japonaise dans les coupes oversize, dans les choses assez unisexes aussi, dans certains matériaux, etc., qui se travaillent beaucoup au Japon. C'est ça qu'on veut amener, mais à un prix relativement raisonnable. On se démarque des autres parce que j'ai beau regarder, hein, je sais même pas si en Europe ou même au Japon, il y a dans le monde du vintage, il y a un magasin qui vend 99% de marques japonaises. Je sais même pas si ça existe ailleurs, honnêtement. Ouais, ouais. J'ai beau chercher, Gaijin est pour l'instant le seul que je connais qui fait ça et on a quand même cherché pas mal pour voir si ça existait. Là, dans l'absolu, c'est la Marelle à Paris en seconde main qui fait un peu de vintage japonais intéressant. En 3 mots, comment définirez-vous l'esprit de Gaijin Paris ? Gaijin Paris, déjà, c'est quelque chose d'authentique. On ne triche pas, c'est vraiment une passion pour nous. Et c'est quelque chose qui vient du cœur, Gaijin Paris, pour nous, vraiment. Deuxième, je dirais le partage. On échange énormément avec nos clients. On peut rester parfois 1 heure juste à discuter de mode. Les gens le voient et les gens reviennent aussi pour nous et parce qu'on partage beaucoup. Et après, peut-être la dernière chose qui pourrait me qualifier, c'est l'originalité, c'est le fait d'être à contre-courant un petit peu de ce qui se fait aujourd'hui dans cet univers-là, quoi. Pour vous, c'était quoi le plus grand défi que vous avez eu à relever pour le projet Gaijin Paris ? Le plus grand défi, je pense que tu penses à la même chose que moi, c'est la communication avec les Japonais. On parle pas japonais. On fait du vintage, mais on fait aussi du prêt-à-porter. Des marques qui ne pensaient pas du tout exporter en dehors du Japon et on a dû négocier durement pour pouvoir obtenir ces marques-là. Ils ne comprennent pas forcément l'utilité de sortir de leur île, en fait, finalement. C'est quoi votre rêve à tous les deux pour Gaijin Paris ? Le rêve à court terme, déjà, ce serait de trouver une boutique pour en fixe, parce que là, pour l'instant, on travaille à coup de pop-up et vente en ligne. Dans un second temps, donc sur le plus long terme, ce qu'on aimerait, c'est vraiment développer un concept store avec toujours comme core business la mode, mais ramener aussi d'autres choses qui nous font vibrer, qui viennent du Japon, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi faire un peu de musique, un peu d'art, un peu de design, un peu d'objets, etc., etc. Et aussi développer un petit café, mais
vraiment la sauce japonaise. C'est un kisaten. Et en ce moment, qu'est-ce qui vous inspire au Japon ou en France au niveau des vêtements, de ce que vous proposez? Au Japon, il y a une marque qui nous plaît beaucoup, qui existe depuis pas très très longtemps, qui s'appelle My Beautiful Landlet. Ça représente pas mal l'esprit de ce qu'on fait et de ce qu'on aime. Il y a beaucoup de choses très versatiles, il y a aussi beaucoup d'unisex, etc. Et c'est un peu ce genre de choses qu'on aime bien travailler. Et en France, il y a quelques créateurs qui s'inspirent pas mal du Japon. Il y a par exemple le maire qui fait pas mal de collaborations avec Uniqlo, qui fait des trucs très sympas. Il y a la Draft qui fait des choses très intéressantes, c'est les gens qui font de l'upcycling, c'est-à-dire qu'à partir de vêtements vintage, ils vont retravailler des pièces et en créer de nouvelles, dans un esprit qui nous correspond aussi, c'est-à-dire qu'ils travaillent pas mal sur des choses un peu workwear, travaille aussi beaucoup sur les matières, etc. C'est assez intéressant. C'est des gens qu'on a connus aussi à travers Gaijin. Je pensais à ça aussi. On s'inspire, on est pas mal sur Instagram, pas mal de gens très intéressants sur Instagram. Je pense qu'on a commencé tous les deux à suivre un japonais qui s'appelle Pogi, ouais. Pogi the Man, ouais. Qui travaillait chez United Arrows à Tokyo. Après, dans notre entourage, quand on a commencé Gaijin Paris, on a commencé à rencontrer des gens du milieu, type Sega, il y a Zena Lukaku, il y a Morgan, voilà, Morgan Brothers, Nom du Champ, il y en a plein. Il y en a plein d'autres, il y a des copines aussi. Quelle est votre pièce préférée? Là, tout de suite, dans ce qui nous reste, parce qu'on a déjà vendu pas mal de belles choses, je vais aller te chercher une pièce, tu vois. Je crois savoir ce qu'il va ramener. Ça, par exemple, qui peut aller une femme ou un homme, c'est une coupe très, très, très japonaise. C'est comme des garçons qui font ça. C'est des pantalons avec une coupe ballon, un petit peu, qui s'adapte à peu près à tout type de morphologie. Pour femme, pour homme, c'est quelque chose qui s'adapte très bien. Alors, pour terminer cette interview très sympathique, je vais vous faire un petit Fast and Curious. Et avant ça, des questions un peu plus perso. Alors, si vous étiez un accessoire? Moi, ce serait des lunettes. Moi, ce serait une chaîne de pantalon. Si vous étiez un bijou? Peut-être une broche. J'ai pas besoin de parler. Si tu étais un vêtement? Moi, ce serait une jupe culotte. Moi, je dirais quand même un hoodie. Si vous étiez une paire de chaussures? La Y3 Kaiwa. Moi, je vais pas aller sur le japonais, mais la Converse avec JW Anderson. Celle avec la semelle plateforme. Petit Fast and Curious, sushi ou baguette? Sushi. Je ne choisirai jamais entre mon père et ma mère. Streetwear ou habillé? Moi, je suis plus streetwear, je pense. Habillé, décalé. One Piece ou Naruto? Moi, je suis l'équipe Mugiwara no Luffy. Je suis pas assez expert pour répondre. Blonde ou brune? Les deux. Brune. Tokyo ou Paris? Pour moi, j'irai 1000 fois Tokyo. Tokyo. Jean ou jogging? Jean. Jean sans hésiter aussi. Pas de jogging. Baguette ou fourchette? Je me mets la baguette, là. C'est comme mon père et ma mère, pareil. Merci beaucoup pour cette interview. Et alors, vous pourrez retrouver Gaijin Paris sur Instagram et sur leur site internet. Dites-nous ce qui vous a amené à la mode et pourquoi à la mode japonaise. Non.